Mets-toi à ma place, tu me prenais pas au sérieux, fallait bien que je te donne des preuves. Lâchez-moi ou je crie. Mais pour une fois que tu rencontres quelqu'un qui s'intéresse à toi, montre-toi un peu sociable. Ton sac. Tu oublies ton sac. Il faudrait vous faire toutes les simagrées que vous voudrez, je ne vous céderai pas. Tout dément que vous soyez, vous ne me faites pas peur. Ah, j'aime ce langage. On va pouvoir communiquer tranquillement. Assieds-toi deux minutes, puisque je ne te fais plus peur. Allez-y, j'écoute votre baratin. Je te déplais donc tant que ça. Il me suffit un physique plutôt avenant, non? C'est tout ce que vous avez trouvé pour m'embobiner? Je croyais qu'on vous appelle malin. Oh, c'est pas gentil, ça. Hein? Faudrait quand même arrêter 5 minutes de nous prendre pour des abrutis. Bordel à cul de Satan de mes couilles. Si vous me parlez sur ce ton, je m'en vais. Non, excuse-moi. Mais on nous a tellement calomniés depuis des siècles, alors qu'on a fait des choses si bénéfiques pour l'humanité. Tiens donc. Parfaitement. Quoi? La guerre. Une bonne guerre, ça fait du bien à tout le monde, hein. Ça donne un grand coup de fouet à l'économie, ça relance la natalité. Il n'y a même pas besoin de gagner pour être le plus fort. La démonstration est terminée, je peux partir. Ah mais Léa, tu es libre, hein. Tu fais comme tu veux. T'as envie de signer, tu signes, t'as pas envie, tu signes pas. Mais tu finis comme cette femme. Seule. Son chat vient de mourir du corrida. Une pension de misère. Et un semblant de dignité à 20 francs par jour. Triste, hein. Espèce de fumier.